Thiébissou, vieille commune de plein exercice, mais que des difficultés. Bien que traversée par la voie internationale, dure pour les automobilistes de cette ville d'aller d'un quartier à un autre, du fait des mauvais états des rues. Après les élections municipales, plus question donc de perdre le temps pour des actions qui puissent intéresser les opérateurs économiques à y venir. Et cela se sent avec la volonté de la nouvelle équipe municipale. Elle tente de prendre le taureau par les cornes. Déjà, les travaux de la voirie urbaine ont commencé malgré le manque de fonds dans les caisses de la mairie. Ces voiries sont aujourd'hui financées sur fonds propres. Je pense qu'en faisant la route, nous aurons quelques personnes qui éventuellement veulent évacuer ou qui veulent même se rendre à l'hôpital de le faire. Pour ça, nous commençons par la route. Les travaux de la voirie précèdent la première session du conseil municipal qui vient de se tenir.